Hier, le subconscient de Cléa aurait invoqué l'énergie Jatropha Curca 10MK pour un soin sur elle, et le mien Jatropha Curca 50MK pour un soin sur moi. Selon ChatGPT, en magie, Jatropha Curca est parfois associée à la protection, la purification et, dans certains cas, à des rituels de malédiction ou d'attaque. Cela est principalement dû à sa toxicité et à sa réputation de pouvoir provoquer des effets puissants. La plante est utilisée dans des rituels de protection contre les forces malveillantes. Les graines, les feuilles ou l'écorce peuvent être portées comme amulettes ou placées dans des sachets pour protéger contre les mauvais esprits, les maléfices ou les envoûtements. On dit aussi qu'elles peuvent dissiper les énergies négatives et protéger le foyer ou les proches d'accidents ou de maladies. En raison de sa toxicité et de ses effets puissants, Jatropha Curca est parfois associée à des pratiques plus sombres, où elle peut être utilisée pour jeter des malédictions ou causer des désagréments à des cibles spécifiques. Les graines ou un extrait de la plante sont censés provoquer des effets physiques, comme des douleurs abdominales sévères ou des vomissements, chez ceux qu'on cherche à nuire. Cependant, ces pratiques sont souvent vues comme dangereuses, car la plante peut aussi être mortelle si elle est mal manipulée. L'utilisation de Jatropha Curca dans des rituels de purification peut inclure la fumée dégagée en brûlant certaines parties de la plante. Cette fumée peut être utilisée pour purifier des objets, des espaces ou des personnes des mauvaises influences spirituelles. Dans certaines traditions chamaniques, notamment en Amérique latine et en Afrique, Jatropha Curca a été utilisée par les guérisseurs et chamans pour des rituels de guérison, de nettoyage spirituel, et parfois pour des pratiques de divination ou de communication avec les esprits. En tant que plante à la fois toxique et purgative, Jatropha Curca est parfois utilisée pour initier des processus de purge ou de nettoyage spirituel. Les chamans peuvent l'utiliser dans des cérémonies où le but est de chasser les énergies négatives, d'exorciser les influences malveillantes ou de permettre aux patients de se libérer de certaines émotions bloquées ou de mauvaises influences spirituelles. Certaines traditions chamaniques utilisent des plantes puissantes, dont des extraits de Jatropha, pour induire des états de conscience modifiés, bien que ce soit moins courant par rapport à des plantes psychoactives comme l'ayahuasca. Ces états permettent aux chamans de voyager dans le monde spirituel ou de communiquer avec des esprits, des ancêtres ou des guides spirituels. Parfois, les graines ou les extraits de la plante sont utilisés pour traiter des affections physiques, surtout des troubles digestifs ou intestinaux, en raison de la nature purgative de la plante, mais toujours avec une grande prudence en raison de la toxicité de ses composés. La magie m'a communiqué que les énergies homéopathiques Jatropha Curca apportent une protection spirituelle, éliminent des mauvais esprits et mauvais sorts, et permettent d'augmenter nos pouvoirs de divination, de communication avec des esprits et autres, en plus de guérir des symptômes du corps physique dus aux attaques spirituelles. Certains mauvais esprits, qui peuvent être éliminés avec ces énergies, posséderaient des corps. Ces énergies permettraient aussi d'induire des visions et faciliteraient les voyages astraux ou l'accès à des informations cachées.